sur la ligne de départ. Nous aurons Thomas Mussolini. Gérard Permanza, votre numéro 3. François Vigneron, votre numéro 4. Nicolas Scarpon, votre numéro 5. Vincent Roanet, votre numéro 6. Antoine Olivier, il s'est pas trop réveillé ce matin, donc il est en 8ème place avec la voiture numéro 8. Mais nous avons à voir pendant 30 minutes des pilotes d'exception. Vous avez le soda, les bouteilles d'eau, les bières pour vous réveiller. Il n'y a plus de chocolat chaud, il nous reste des tartes aux pommes. Nous avons de quoi vous rassasier et bien sûr quelques bières goûtées qui permettent de vous rassasier et vous trouverez. Qui crépite, les moteurs qui se réchauffent. Nous sommes à Mougins, la partie, une grosse partie de la piste est sous dans l'ombre, une partie au soleil. Mais cela n'empêche rien aux pilotes de se concentrer. Je vois les têtes des pilotes. Ils ont l'air abasourdis, penchés sur leur voiture. Ils la regardent, est-ce qu'elle tourne, hein, ma voiture? Il n'arrête pas. Alors au ramassage. Bouchon, Riba, Castellan, Coadon, Jeans, Garavagnon, Masson et Gomis au ramassage maintenant. Allez, nous on est prêts. Fred, je prends mon poste. Ah, mesdames et messieurs, les membres du club, les autres clubs, les spectateurs, les télévisions, les radios qui sont présentes, nous allons assister à finale Open Thermique, une finale d'une demi-heure de ces voitures qui vont performer sur la piste du SM Mougins. Je vous rappelle les 8 pilotes en lice, Thomas Musson votre numéro 1, Vincent Renaud votre numéro 2, Gérard Parmanchard votre numéro 3, François Vigneron votre numéro 4, Nicolas Scarpon votre numéro 5, Vincent Roanet votre numéro 6, Antoine Luc votre numéro 7 et Karel Zimeli votre numéro 8. Je vous rappelle que ces voitures font 2 tours de reconnaissance. À la suite de ces 2 tours, ils vont s'arrêter sur la ligne droite vis-à-vis de leur position de départ avec les mécanos qui sont là. Les mécanos, vous les voyez, ils sont à genoux avec les voitures. Le départ, c'est un départ arrêté. C'est un départ arrêté de façon en voie formule. On n'a pas les feux rouges, les feux verts, les feux rouges, parce qu'on les voyait encore. Mais on a un départ dans similaire à ça. Je vous rappelle que ces pilotes partent pour une demi-heure, 30 minutes de course sans interruption, avec ravitaillement. Les mécanos sont de lisse, les mécanos sont de connivence avec leurs pilotes. On travaille en équipe. Cette finale, Open 4-2, un peu tout mélangé, va se faire devant vos yeux en ce dimanche 6 novembre. Cette finale, elle est exclusive au NSC Mougins. Nous vous rappelons que nous sommes le dimanche 6 novembre, dernière manche de Ligue pour la Ligue 11. Tous les pilotes sont prêts, les mécanos sont prêts, les voitures sont posées pour son départ. Le directeur de course nous donne le signal de 30 secondes. Nous voilà, 30 secondes du départ. Les pilotes.
Huit pilotes de niveau. Départ 15 secondes. Ah, nous sommes à 15 secondes du départ. Mesdames et messieurs, notre souffle se coupe. On retient sa respiration. Un événement va se vivre dans les prochaines 30 minutes. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et c'est parti pour 30 minutes de course, 30 minutes où les pilotes vont se battre. Sur le banking, tout s'est bien passé. Le pilote numéro 3 qui fait un demi-road trip et qui passe deux fois la boucle. En tête, les voitures se classent, les écarts se creusent. Chacun des pilotes fait sa marque, chacun des pilotes fait ce qu'il peut. Il y en a qui font... Il y en a qui font ce qu'ils peuvent. Alors je vous rappelle qu'il y a deux catégories, vous avez des 4 roues motrices. Et les deux roues motrices, on les a mélangées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pilotes dans la catégorie. La voiture, là actuellement, la voiture verte, voiture numéro 1. Attention, dans la ligne droite, une voiture arrêtée. Oula, Nicolas Carfo vient de s'arrêter. Je pense qu'il y a un bris d'amortisseur ou de train avant. À peine un demi-tour d'effectué, déjà un arrêt, un abandon. Quelle tristesse. Alors, voiture numéro 1, Thomas Musseux, donc champion d'Europe et 4 fois champion de France. Donc, voiture verte, Thomas Musseux, donc un pilote. Voilà, vous allez voir. C'est le métronome. Et derrière, Vincent Rouanet, qui était donc champion de ligue l'année dernière. François Vigneron, champion de ligue l'année dernière. Zimili Carrel, Olive Groyeuf, Antoine Reynaud, Pernigia Gérard, Scarfo. Donc Scarfo, Pernigia et Reynaud, ce sont des deux roues motrices. Et les autres voitures, c'est les quatre roues motrices. C'est ce qui est toute la différence de vitesse. Allez, messieurs, dames, nous assistons à cette finale. À Mougins, ONS et Mougins en direct live au dimanche 6 novembre 2022. Comme vous disiez, notre directeur de course et président du club, Thomas Musseau, moteur numéro 1, champion d'Europe. À le voir, rapide au pilotage, vous comprendrez que le gars, il sait faire, en fait. Et Vincent Rouanet, un membre du staff et un membre actif du club de Mougins en voiture numéro 6, est en deuxième place. François Vigneron, pardon, troisième place au numéro 4. François est un membre du club, très très actif, que ce soit au niveau pilotage, au niveau aide, et ainsi de suite. Karel Zemeli, alors Karel, il roule à chaque fois, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il roule. Antoine Olube, voiture numéro 7, 5e. Et après, les voitures 4-2, donc Vincent Reynaud, Gérard Parmanja. Et je pense que Nicolas Carfo a eu un souci technique dès le premier tour. Car j'ai vu repartir avec la voiture sous le bras, comme la baguette de pain. Alors, nous sommes maintenant à 3 minutes de course. Les écarts se creusent. Vincent Rouanet est en deuxième place. Vincent, tu l'as juste à suivre Thomas. Tu te mets dans la route Thomas et tu suis ce qu'il fait et tu comprendras comment ça se pilote une voiture. T'as juste ça à faire en fait. C'est pas très très compliqué hein, quelque part. Hein Vincent, allez. Allez, Montaigne, mon Vincent, François Vigneron, deuxième place. Ils sont 7 sur la piste, 7 voitures, 7 sur le podium. Ce spectacle, je vais partager grâce à eux. Ce spectacle est là devant vous, en live.